Eh bien bonjour à tous, c'est Yoshiaki. Et donc aujourd'hui, et oui, je ne suis pas mort, hein, vous voyez, je suis toujours vivant, malgré les un mois et demi d'absence de vidéo qu'il y a eu. D'ailleurs, je m'en excuse, hein, comme d'habitude, avec tous les problèmes que j'ai eu, hein, des problèmes par-ci par-là. Le brevet que j'ai enfin passé et que j'ai réussi et que je suis fier de moi, donc je suis content maintenant. Je suis tranquille, j'ai fini ma scolarité de 3e et je suis en vacances, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Mais avec tous les problèmes qu'il y a eu, pendant 2 semaines j'ai été malade entre une extinction de voix où j'arrivais plus à parler comme je le disais l'autre fois et que ma voix était plutôt « Bonjour à tous, c'est Yoshiaki ». C'était horrible de parler, j'avais un mal fou. Et pour faire une vidéo c'était catastrophique. Et pour aller à l'école avec une voix pareille en parlant à mes camarades ou à mes professeurs, c'était une horreur. Et il y a eu une autre fois où il y a eu le ménage chez moi, mais avec l'intensité de la poussière qu'il y a eu et que je suis asthmatique, je toussais tout le temps, j'avais du mal à respirer et c'était impossible de faire une vidéo correcte pendant plus de 15 minutes puisque après je pouvais plus respirer, je pouvais plus penser correctement, fallait que je me repose et ça allait pas bien du tout. Mais bon voilà, c'est encore un engagement que j'aurais pas tenu de faire des vidéos pour le mois de mai, pour le mois de juin. Mais bon, l'important c'est que je continue les vidéos, ne vous inquiétez pas. Et comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui il y a la FAQ. Donc je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées. Et préparez-vous parce que je pense qu'il va y en avoir pour à peu près plus d'une heure et demie, puisque je dois avoir une trentaine de questions, entre 30 et 40 questions, donc ce qui est assez conséquent. Même si bon, au début j'en avais qu'une quinzaine parce que c'est ceux qui ont regardé la vidéo et qui m'ont posé des questions, mais après j'ai été un peu chercher mes connaissances que j'avais sur Skype et je leur avais dit « Eh, ça te dirait une question pour ma FAQ, ce que tu veux, le sujet que tu veux et comme tu veux ?» Et donc du coup, j'ai regroupé une trentaine de questions, donc ce qui est vraiment très bien. Et d'ailleurs, je suis satisfait parce que franchement, il y a vraiment de très bonnes questions. Et je vais avoir un grand plaisir à tous y répondre. Donc, on va commencer. Let's go! Alors, question de Mr. Forst 11. Aha! Alors, question 1. Que doit avoir un jeu pour qu'il te donne envie de le refaire? Eh bien, pour qu'un jeu me donne envie de le refaire, je pense qu'une fois qu'on a terminé le jeu, qui est, on va dire, soit un nouveau mode bonus... Là, décidément, j'ai mal à la gorge aujourd'hui... je disais, il faudrait qu'il y ait un mode bonus, comme par exemple, on refait le jeu, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir une différente fin, une fin alternative avec des actions différentes, qu'il y ait, par exemple, de nouveaux secrets, des salles qu'on pouvait pas accéder en faisant le jeu en normal, des choses comme ça, mais pas un New Game Plus, comme ils appellent ça chez Nintendo, avec juste... le même jeu, mais soit en mode miroir, soit en plus compliqué, ça c'est inintéressant et ça me donne pas envie de le refaire. Par exemple, je vois Zelda Skyward Sword, un jeu que j'aime beaucoup, 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 je trouve excellent, mais le New Game Plus de le refaire en mode compliqué, hein, c'est pas super quoi. Surtout que il y a certains jeux dans ce cas, si on les trouve trop faciles, pourquoi ils nous ont pas mis le mode compliqué au début? Ou alors pourquoi on n'a pas eu le choix de choisir soit en mode facile ou difficile avant de commencer le jeu? Ça c'est. Un peu idiot, je trouve, mais bon. Donc voilà, de nouvelles choses. Mais surtout, une fin alternative, c'est ce qui me plairait pour refaire un jeu. Voilà, voilà. Alors, question 2. Quelle est la phase dans un jeu qui t'a le plus frustré dans ton parcours intervidéoludique? Ah, un jeu qui m'a vraiment frustré. Je vois ce que c'est. La série Resident Evil. D'ailleurs, tiens, je vais faire un petit coucou à Sega Sensei, du coup, puisque... c'est lui qui m'a fait découvrir, enfin pas découvrir, mais qui m'a fait jouer à Resident Evil. Et on va dire que c'était un peu mon coach, et qui m'a un peu guidé au début. Et la série Resident Evil, oui, qui fait vraiment flipper. Alors j'avais joué au 1 et au 2 sur PlayStation 1, bon, il faisait assez flipper, mais il y avait quand même une certaine ambiance. Mais surtout, Resident Evil 3. Pourquoi? Eh ben justement, écoutez ça. Ça fait pas flipper ça? Le cri de Nemesis là, le Stars. Ah mais en plus il nous suit partout dans le jeu ce Sanupio. C'est infernal. Il me foutait la trouille, j'avais peur de lui.
Qu'à un moment j'en ai même pleuré, je disais au secours, je veux plus jouer à ce jeu, j'en ai marre, j'y arriverai pas, et finalement c'était assez marrant comme situation. J'ai fini Resident Evil 3, je peux vous dire que c'était un exploit pour moi, c'était un enfer, et j'en suis content. Mais Resident Evil 3, bah franchement je trouve que c'était le jeu qui m'a vraiment frustré par définition, mais j'ai pris un grand plaisir. D'ailleurs c'est quand même assez étonnant, le joueur aime avoir peur, et aime voilà, que de se faire une bonne frayeur devant un survival horror. Surtout que là, il y a quand même un aspect stratégique de survie, gérer les munitions, etc. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, Resident Evil 3. Et tout simplement à cause de Nemesis. Alors, question numéro 3 de Toujours Force 11. Quel est le type de jeu que tu affectionnes le plus? Exemple, plateforme, RPG, etc. Eh bien, type de jeu que j'affectionne le plus, ben moi, c'est plutôt jeu d'action, jeu de plateforme. Jeux d'aventure, principalement, mais après, j'adore tous les supports. Hein. Par exemple, FPS, j'aime bien les bons vieux FPS à l'ancienne et pas ce qu'il y a aujourd'hui, hein, vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup aussi, en ce moment, c'est ma période RPG, je joue à beaucoup de RPG. En ce moment, j'étais sur Final Fantasy VII, je l'ai terminé, c'est vraiment un excellent jeu. Quand on disait que c'est l'un des meilleurs RPG de tous les temps, bah, je suis convaincu maintenant. Après, il y a les jeux de réflexion, ça j'adore, les jeux de stratégie, j'adore, les TPS, j'adore, les jeux de ce que vous voulez, j'adore quasiment tous les supports sur les jeux vidéo, à part peut-être les jeux de sport, hein, avec FIFA et compagnie, c'est pas terrible. Mais après, quand je dis jeux de sport, par exemple les jeux de sport Mario, ça me plaît bien. Les Mario Kart, Mario Power Tennis, Mario Golf. Etc. etc. Ça par contre c'est bien puisque je trouve que c'est original et que faire un jeu réaliste pour le sport alors qu'on peut en faire en vrai, ça je n'y trouve guère d'intérêt, c'est ce que je dirais, il n'y a pas trop d'intérêt à cela. Donc voilà, pour ta question Force 11. Et quatrième question, quelle est la manette qui te procure la meilleure prise en main? Alors la manette qui me procure la meilleure prise en main, je dirais tout simplement la manette GameCube. Franchement, quand je tiens une manette GameCube, je suis tout de suite à l'aise. J'ai tout de suite les commandes. Et puis il faut dire que la manette GameCube, ça a été ma toute première manette de tous les temps, puisque la GameCube est la première console que j'ai eue. Et franchement, on est à l'aise. Comparé à par exemple les vieilles manettes NES ou Super Nintendo ou Mega Drive, où là, quand on la tient, c'est assez rigide. Au bout d'un moment, on se fait mal aux mains. Et c'est un peu désagréable. Après, bon, si je dois parler un peu des autres manettes, la manette Nintendo 64, c'est pas mal, même si bon, sa forme est un peu bizarre. La manette PlayStation 2, elle est vraiment pas mal. J'aime bien aussi, mais je préfère la GameCube. Et pour celle de la Xbox, alors je parle bien de la Xbox première génération, mais Xbox 360, je pense que ça doit être les mêmes manettes. Bah, ça va aussi, c'est bonne prise en main. Et bon, là, oui, on se passera de commentaires parce que c'est très discutable. Wally Wallou. Mais voilà, la manette GameCube qui me procure la meilleure prise en main. Alors, je te remercie à toi de m'avoir posé ces questions, Force 11. Maintenant, on va passer aux questions de Robin Libre 1. Aha. Alors, question 1. Quel est le jeu que tu attends le plus pendant cette année 2013? Eh bien, en fait, le jeu que j'attendais le plus cette année 2013 est déjà sorti, puisque celui que j'attendais le plus était Fire Emblem Awakening. Et d'ailleurs, je l'ai acheté, c'est vraiment un excellent jeu. Mais après, si pendant cette année 2013, si j'en attends un autre, bah, y a ma série préférée, la série Phoenix Wright. Ils vont sortir un cinquième épisode. Mais, parce qu'il y a un grand mais, et ça c'est vraiment vraiment détestable de la part de Capcom, c'est que le jeu sera en anglais, comme la série Miles Edgeworth Investigation, le spin-off de Phoenix Wright, il sera en anglais, donc un jeu anglais qui sort aujourd'hui en France. Alors ça je comprends pas, parce que dans les années 1990, avec la Nintendo 64, la Super Nintendo, pourquoi pas, parce que voilà, on est encore une vieille époque, ils n'ont pas le temps de traduire les jeux. D'accord, mais là, on est plus à cette époque, on est en 2013. On est en 2013 et ils vont nous sortir un jeu anglais. Mais expliquez-moi. Il n'y a pas de logique à ça. Et de plus, ce qui est encore plus aberrant, ils ne vont même pas le sortir en version boîte en Europe et aux États-Unis. D'accord. Ils vont sortir qu'une version boîte au Japon. D'ailleurs, en plus, il y aura un collector. Et ils sortent juste une version dématérialisée, téléchargeable. Alors qu'on parle de la série Phoenix Wright. Je comprends pas, voilà. Je comprends pas de la part de chez Capcom, ils font tout de travers. Alors après ils disent, oh, on fait ça parce que les jeux en Europe et aux États-Unis c'est mal vendu.
Mais évidemment, vous êtes idiots, quoi, parce que vous faites pas de publicité pour la série Phoenix Wright, pour les trois premiers, donc c'est normal que ça se vende mal. Vous faites de la publicité pour Miles Edgeworth Investigation, mais c'est normal que ça se vend pas, c'est en anglais. Alors du coup, forcément que ça se vend mal. Alors que s'ils font une bonne promotion de leur jeu, ils présentent les phases de gameplay épiques, la musique qui est excellente, les personnages charismatiques, ils y arrivent à tout. Ils pourraient vendre leur jeu en Europe sans problème, mais voilà. Capcom, je comprends pas. Et d'ailleurs, ça y est, parmi tous les jeux qu'ils ont sortis en ce moment, ils m'ont dégoûté. Et je vais rejoindre l'avis de quelques-uns qui font cette blague. Capcom, c'est plus que c'était avant, c'est devenu Capcom. Voilà. Fin du mot, et je suis vraiment dessus de leur part. Et sinon, pour continuer à répondre à la question, il y avait Phoenix Wright 5, mais bon, mais c'est de me procurer en version japonaise, même si bon, voilà, c'est quand même plus agréable d'avoir une version boîte qui a de la valeur et où on te présente, on va dire, quelque chose de matériel au lieu d'une version dématérialisée. Et donc, il y avait Phoenix Wright 5, il y a peut-être Pikmin 3, même si j'ai pas encore la Wii U, que j'attends beaucoup. Sinon, il y aurait. En cette fin d'année, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Non, il y a pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui vont sortir cette année en 2013. Parce que, j'ai regardé le 3, il y a par exemple le nouveau Mario Kart, le nouveau Mario, le nouveau Donkey Kong Country qui vont sortir. Mais vu que j'ai pas la Wii U, ça m'attire pas énormément. Et puis c'est des jeux voilà, qui m'intéressent pas trop. Mais sinon, il y aurait le nouveau Smash Bros qui pourrait m'intéresser. Parce qu'il y a Megaman dessus et ça c'est excellent. Sauf que du coup ça répond pas vraiment à la question puisque le Smash Bros va sortir en 2014. Donc je dirais Pikmin 3 et Phoenix Wright 5. En tout cas des jeux qui me viennent à l'esprit pour l'instant. Enfin Wally Walou, question numéro 2. La console que tu préfères? Eh bien la console que je préfère, alors j'ai trois époques qui me plaisent énormément. L'époque Super Nintendo, l'époque Nintendo 64 et l'époque GameCube. Alors l'époque Wii, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je l'aime beaucoup, mais on va dire comparé aux autres, c'est d'une qualité un peu inférieure. Et si je devais choisir mon époque préférée, je dirais l'époque GameCube. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que ça a été ma toute première console. Et puis il faut regarder tous les jeux qu'il y a là-dessus. Il y a franchement d'excellents jeux, hein. Super Mario Sunshine, Mario Kart Double Dash, Zelda The Wind Waker, Fire Emblem, Path of Radiance. Resident Evil 4, Tales of Symphonia, Metroid Prime, oui, pour moi c'est un mauvais exemple, mais aux yeux de beaucoup de gens, c'est un très très bon jeu. Il y a énormément de jeux sur GameCube, là c'est tout ce qui me vient à l'esprit, mais si j'y réfléchissais encore un peu et que je devais tous vous les citer, j'aurais toute la liste. Hein, y a vraiment d'excellents jeux sur GameCube et c'est incroyable. Donc l'époque GameCube est ma préférée. Après Nintendo 64 et Super Nintendo, je les aime beaucoup aussi, mais je les mets en égalité. Alors Nintendo 64, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'adaptations en 3D de mes jeux préférés, donc ça c'est excellent. Et Super Nintendo, faut regarder toutes les techniques qu'ils ont utilisées pour faire leur jeu, le mode 7, le début de la 3D sur la console Super Nintendo, alors que c'est qu'une console 16 bits. Puis tous les jeux qu'il y a qui sont énormes, les musiques, tout ce qu'il y a. J'adore. Voilà. L'époque GameCube, ma préférée, ma console préférée, c'est la GameCube. Ensuite, troisième question. Quel est ton personnage préféré dans l'univers du jeu vidéo? Alors, mon personnage préféré, alors je vais vous dire, déjà, ce sera plutôt des personnages. Je vais vous citer des personnages charismatiques. Parce que si je vous cite un peu des personnages. Pas secondaires, mais on va dire comme Yoshi, qui sont plutôt mignons, bof. Donc, personnage préféré. Je disais la série Phoenix Wright, je vais citer Phoenix Wright. Parce que franchement, cet avocat avec une tête de porc épique, comme on le dit souvent dans le jeu, franchement il a un charisme énorme, je l'adore. Et puis sinon, si je dois toujours citer de la même série, il y a aussi Godot, le procureur du troisième épisode, qui a un super charisme, qui est mystérieux. Bon, vous vous dites, ouais c'est qui ce guignol avec ses lunettes rouges, ce masque rouge, franchement, si vous avez le jeu un de ces jours et dont ce que je vous souhaite, je vous souhaite de l'avoir parce qu'il est devenu très très rare et que je sens qu'il va coûter de plus en plus cher, ce personnage est franchement excellent et là aussi il a un super charisme.
Mais après, sinon, si je dois citer d'autres personnages charismatiques et que j'aime beaucoup, Link, Solid Snake, Cloud de Final Fantasy VII, Dante de Devil May Cry, Megaman en forme Megaman X, Megaman X. Bon, pas trop le premier Megaman, parce que bon, là, il est un peu... Je l'aime bien aussi, mais il est moins charismatique. Il est plutôt charmant, mais je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre comme personnage ? Star Fox. Ouais, un personnage que j'aime beaucoup aussi, la série Star Fox. Ouais, les personnages principaux de Fire Emblem. Et bon, voilà, pour l'instant, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Les personnages que j'aime bien, qui sont charismatiques. Enfin, Wally Wanou, Robin Libre. Donc, pour ta réponse, Phoenix Wright principalement. Parce que franchement, ouais, ce jeu d'avocat, c'est devenu une de mes séries préférées. Si ce n'est pas, enfin, si c'est ma série préférée, je la préfère même au-dessus de Zelda, au-dessus de Mario. C'est j'adore. C'est un coup de cœur pour moi. Et pour tout ça, ça y est, c'était tes trois questions. Donc je te remercie d'avoir posé ces questions en bain libre. Et du coup, on va passer aux questions de Mackinfrost, alias Auronrad. Alors, question 1, quel est ton jeu préféré ? Bah, je viens de le dire, c'était la série Phoenix Wright, toutes consoles confondues. Après, 2, quel jeu n'as-tu pas terminé à cause de sa difficulté ? Un jeu que je n'ai pas terminé à cause de la difficulté ? Bah non. Il y a tous les jeux que j'ai commencé, bon, soit j'en ai fait une pause, soit je les ai terminés. Mais si j'en ai fait une pause, c'est pas parce que je le trouvais compliqué, c'est parce que bon, soit je me voulais changer de jeu, ou soit je m'en suis un peu lassé. Par exemple, j'ai un exemple en tête. C'est génial. Par exemple, j'ai un exemple en tête. Ça se répète beaucoup dans mes phrases. Excusez-moi. Justement, j'avais un exemple. Zelda The Wind Waker. C'est un jeu que je n'ai pas encore terminé, mais je l'ai fait en pause parce que voilà, je voulais changer avec un autre jeu. Mais je l'ai pas arrêté parce que sa difficulté me dérangeait, au contraire. D'ailleurs, la série Zelda a généralement eu des jeux plutôt faciles, donc c'est pas de problème. Mais pour ta question, j'ai pas vraiment de jeu auquel je n'ai pas terminé à cause de sa difficulté. Voilà. Question numéro 3. Quelle est ta plus grosse déception niveau jeu vidéo ? Ah bah tiens, j'en ai bien une. Tout à l'heure, je vous parlais de la série Metroid. Enfin, Metroid Prime. Eh bien, purée, si on m'avait dit qu'un jour, en voyant Samus Aran dans son costume super classe, qui a vraiment un charisme là aussi de fou, et qu'on me dit que tu seras déçu si tu y joues, bah franchement, je n'y aurais pas cru, parce que moi, grand fan de Nintendo, quand j'y ai joué, j'ai ressenti une déception. Ah, ça m'a dégoûté, mais j'ai ressenti quand même une certaine tristesse, parce que bon... Metroid, une série si appréciée de beaucoup de gens, et que moi je me considère comme un fan de Nintendo, et on va me dire quoi, tu te considères fan de Nintendo et t'aimes pas Metroid, mais t'es un traître, t'es un ce que tu veux. Et non, malheureusement, quand j'ai joué à Metroid Prime, surtout, j'ai eu une très grosse déception. Alors pourquoi ? Bah, un jeu complexe, un jeu où il n'y a pas de scénario, parce que au scénario, au début, on a juste un texte de deux lignes, puis après on comprend pas trop, on atterrit sur Metroid Prime. Alors là, je parle de Metroid Prime. On va dans une base, on sait pas trop ce qu'on fait. Ensuite, on atterrit sur une planète. Et surtout qu'au début du jeu, le scénario, je pensais qu'on s'était crashé et qu'il fallait trouver un moyen de réparer notre vaisseau et de rentrer sur notre planète. Alors que non. Non. Alors, je vais pas vous spoiler, mais le but du jeu, c'était de chercher un objet. Enfin, plusieurs objets. Des artefacts, pour être précis. Je vous en dis pas plus, mais quand j'ai vu ça, ça m'a déçu d'un point, mais d'un point scénaristiquement, que j'avais rien compris, et que ça... Voilà, quand il n'y a même pas de trame scénaristique, qu'on vous dit même pas, par exemple dans Mario, on dit Mario, la princesse s'est fait kidnapper, tu dois aller sauver la princesse, d'accord, mais là on sait même pas ce qu'il faut faire, c'est stupide. Puis ensuite dans Metroid, il y a la complexité du jeu, parce que franchement, quand on a tous les pouvoirs, qu'on doit affronter un ennemi, des fois on y passe 2 heures pour le battre, c'est agaçant. Le jeu est très linéaire, ça m'a aussi agacé, parce que bon, quand on te dit t'as pas de scénario, mais tu dois récupérer tous tes pouvoirs, alors tu vas aller là, puis là, puis là, puis là, pourquoi tu dois aller ? Bah, parce que t'as ces pouvoirs, donc fais ce que je te dis. Donc ça, j'ai trouvé ça stupide aussi, et surtout, ce qui m'a surtout le plus énervé, c'est sa difficulté. Déjà, les points de sauvegarde sont assez rares dans le jeu,
et le jeu est très dur. Pour réussir correctement, il faut vraiment tout analyser à 100%. Ah oui, aussi le fait dans Metroid Prime qu'on doit analyser tout et n'importe quoi, tous les 2 mètres avec notre radar détecteur, j'ai trouvé ça pénible, et surtout qu'on a besoin de ça pour finir le jeu à 100%. D'ailleurs, ce que je n'ai pas fait, parce que bon, franchement, j'en ai eu marre au bout d'un moment. Mais voilà, les secrets sont tellement bien planqués si on ne trouve pas tous les Energy Tank, je crois que c'est, non, ça c'est dans Mega Man, enfin les réceptacles de vie, non, ça c'est dans Zelda, enfin les objets qui nous augmentent notre vie, voilà. Si on trouve pas ça, bah, on est foutu parce que les ennemis nous dégomment facilement et c'est super dur. Parce que un moment, au bout d'une heure de jeu, j'avais pas trouvé point de sauvegarde et il me restait presque plus de vie, je me disais, oh purée, faites que je trouve un. De la vie ou un point de sauvegarde et après je meurs et je vous jure que c'est vrai, mais à la fin j'en ai eu trop marre, j'ai crié comme pas possible, j'ai balancé ma manette GameCube par terre, j'ai éteint le jeu, j'ai remis dans sa boîte et je n'y ai pas rejoué pendant un mois. Donc après je me suis dit, oh finalement peut-être que le jeu est pas si mal, on va continuer, mais cette déception là, cette frustration à cause de la difficulté à continuer, et puis finalement j'ai pas vraiment terminé le jeu parce que bon, j'ai pas trouvé tous les objets entre guillemets pour le finir, mais après quand j'ai appris qu'il fallait aller chercher des objets pour finir le jeu, je me suis dit, oh c'est bon, j'en ai marre, Metroid Prime, un jeu, je disais, je comprends pas comment on peut l'aimer, mais sinon enfin je n'aime pas Metroid Prime, mais tout n'est pas à jeter hein. C'est par exemple le style graphique est vraiment magnifique hein, parce que bon, franchement je dirais que c'est l'un des plus beaux jeux de la GameCube avec Resident Evil Rebirth. Et ces musiques sont excellentes parce que l'ambiance, on y est, l'ambiance est là, cette musique un peu stressante, enfin des fois stressante, des fois qui donne une ambiance au terrain où on est, c'est super. Mais après, bah, pour ce qui est du contenu, ça y repassera. Bah, en tout cas, moi j'ai pas aimé, et pareil pour Super Metroid, je l'ai fait. Bon là, il y a un peu plus de scénario, on doit sauver le Metroid qui a été kidnappé par Eagle, mais pareil je l'ai pas aimé non plus. Enfin bon, vous pouvez m'hurler si vous voulez, mais voilà, désolé. Peut-être que les autres sont bien après tout hein. Metroid Prime 2, 3, les épisodes sur Game Boy, Metroid Other M, peut-être qu'ils sont bien, mais voilà, faut que j'y joue pour que j'ai mon propre avis, mais pour l'instant ça me donne pas forcément envie, voilà. Donc voici pour la question, hein, Auronrad, et merci de les avoir posées. Alors, ensuite, question de Mister Mario 15100. Enfin, 15100, ou... je sais pas comment on dit le chiffre, mais 15100, on va dire. Et là, alors là, franchement, j'ai eu de très bonnes questions, et ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, question 1. Tu penses quoi de la Wii U ? Révolution, ou alors action commerciale ratée ? Bien, pour l'instant, la Wii U, je dirais que c'est un peu les deux. Pourquoi ? Parce que action commerciale ratée, parce que la Wii U se vend mal. Pourquoi ? Bah parce qu'il n'y a pas très peu de jeux. Parce que vous allez me dire, c'est pas avec le nouveau Mario, qui est en fait un copier-coller de Super Mario Bros. Sur DS, celui sur Wii, celui sur 3DS, que ça va me faire acheter le jeu. C'est pas à cause de Zombie U que ça va me faire acheter le jeu. C'est pas à cause de Nintendo Land que je vais acheter la console plutôt. Bah franchement, ça donne pas envie. Mais heureusement, grâce à l'E3, vu qu'on sait qu'il va y avoir plein de nouveaux jeux, va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nouveau Mario Kart, le nouveau Super Smash Bros, bon, le nouveau Mario, bof, puisque je dirais que c'est un recyclé de Mario 3D Land. Après, il y a plein de nouveaux jeux aussi qui a l'air sympa, là, le RPG X, je crois que c'est la suite de Xenoblade, ça a l'air vraiment pas mal. Le Bayonetta 2, ça a l'air aussi assez sympa, comme Beat'em All. Ouais, ça paraît prometteur, mais révolution, oui, parce que franchement, faire une manette comme tablette, on n'avait jamais vu ça avant. Et puis franchement, les manières de jeu doivent être un peu différentes, donc ça doit être original. L'utilisation du gamepad doit être une expérience assez originale. Et que je pense qu'on peut parler de révolution aussi. Donc pour cette question, je répondrai un peu les deux. Et je dirais que la Wii U n'aura vraiment son intérêt que à partir de 2014. Waliwalu. Donc, allez, question numéro 2. As-tu un projet pour un nouveau let's play ? Ben, pour l'instant, il faudrait que je finisse Banjo-Kazooie. Et encore Banjo-Kazooie, là. Le prochain épisode est prêt, mais je l'ai trouvé très ennuyant. Parce que je vais galérer
et ça va durer sur deux parties sur un même niveau. Je vous en dis pas plus, mais surtout que j'ai prévu de faire des ellipses et de passer quelques scènes parce que franchement c'est pas possible, j'étais vraiment une quiche. Et voilà. Mais sinon, projet de let's play, bah pour l'instant, j'ai trouvé Banjo-Tooie finalement, j'ai trouvé sa suite, mais je pense pas en faire un let's play parce que bon, le jeu a l'air encore plus long, plus compliqué, et non merci, pas pour l'instant. Mais un nouveau projet de let's play peut-être, hein. Allez savoir, je vais peut-être faire un jeu sur Super Nintendo, ce qui serait pas mal, ou un jeu sur Nintendo 64, ou ouais, un ancien jeu, ça me plairait bien. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas vraiment de projet de let's play. On verra quand j'aurai fini Banjo-Kazooie. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Question numéro 3. As-tu un jeu préféré parmi tous les Rareware? Ah, le studio Rareware. Que vous étiez bon, que vous étiez bien à l'époque. Mais ça, c'était avant, malheureusement. Et oui, parce que nos chers Rareware sont morts aujourd'hui. Hein. C'est Microsoft, ils font Kinect Sport, etc. Ouais. C'est aberrant. Mais bon. Si je dois citer un jeu préféré parmi tous ceux de Rareware, alors. Si je dois faire un récapitulatif, alors il y a Donkey Kong Country, 1, 2 et 3, GoldenEye, Perfect Dark, Last Corps, Jet Force Gemini, Conquer Bad Fur Day, Star Fox Adventure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après comme jeu sur Rareware? Killer Instinct, ah ouais, excellent jeu de combat ça aussi, mais. Après, si je dois citer mon préféré, je dirais peut-être Donkey Kong Country 2. Voilà, celui-là, franchement, il est, c'est l'un de mes jeux préférés de la Super NES. En tout cas, il égale facilement Yoshi's Island pour moi. Et oui, je dirais Donkey Kong Country 2. Alors, le 1 est vraiment excellent aussi, je l'ai bien aimé. Le 3, un petit peu moins. Et après, si je dois parler des autres jeux, GoldenEye et Perfect Dark, je les considère comme les meilleurs FPS de tous les temps. Killer Instinct, c'est un jeu de combat que j'aime beaucoup, beaucoup. Après, Jet Force Gemini, bof, c'est un jeu qui avait fait une découverte, il me déçoit un petit peu. Après, il y avait Star Fox Adventure, bah depuis la vidéo découverte, j'y ai pas rejoué, donc je peux pas vous en dire plus. Et Conquer, bah c'est un jeu que je n'ai pas sur Nintendo 64, puisque c'est le jeu le plus rare sur Nintendo 64, il doit coûter à peu près plus de 100€. Alors, bonne chance pour le trouver. Et je crois que j'ai fait le tour, donc voilà. Donc, Donkey Kong Country 2, mon jeu préféré de Rareware. Wally Wally. Alors, question numéro 4. Que penses-tu de Metal Gear... Attends, penses-tu que Metal Gear Rising est complètement à côté de l'esprit de la saga? Parce qu'il me disait que j'ai parlé de Metal Gear Solid dans une de mes vidéos, et que bah, si je voulais, j'étais pas obligé de répondre à cette question, mais je vais quand même y répondre. Bien, Metal Gear Rising, même si je n'y ai pas joué, bah j'ai l'impression... Oui et non, il y a à la fois à côté de la plaque, mais pas trop. Pourquoi? Bah parce que on a quand même Raiden qui était présent dans Metal Gear Solid 2. Et c'est à côté de la plaque parce que bah là on n'est plus dans un jeu d'infiltration, on est sur un jeu beat'em all, je crois, hein, avec notre sabre et on doit tout détruire. Mais dans niveau personnage, non, mais niveau de l'esprit, oui. Wally Wally. D'ailleurs, la série Metal Gear Solid, je vous fais un petit commentaire. À l'E3, j'ai vraiment très peur de ce qui va arriver à la série Metal Gear Solid, parce que franchement, là, c'est plus du tout infiltration, on est devant un open world, on est dans le désert. Ça paraît très 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 bizarre, j'ai peur pour la suite, et ça m'inquiète beaucoup. J'aimerais pas non plus que ce soit la mort de la série Metal Gear Solid, parce que bon... J'en ai déjà vu des héros de jeux vidéo qui meurent et ça fait très mal au cœur. Surtout quand vous aimiez à une époque et que après vous voyez ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Ça vous déçoit, enfin bon. Donc question numéro 5 finalement. Tu as eu des consoles en les cherchant ou en les croisant sur des brocantes? Donc est-ce que j'ai eu des consoles? Oui, j'en ai déjà trouvé sur des brocantes. J'ai trouvé la Nintendo 64. D'ailleurs c'est bizarre parce que on raconte une petite anecdote. Quand je me suis lancé un peu dans le rétro, je me disais tiens, il faudrait que je trouve par exemple une Nintendo 64 ou une Super Nintendo. Donc j'ai fait une brocante et après je disais ah bah tiens, c'est super cool quand je parlais du loup, donc je vois une Nintendo 64 à 20€, la console, deux manettes, GoldenEye et l'expansion pack. Donc l'expansion pack au début, je savais pas ce que c'était, mais
Le vendeur me disait que c'était une carte mémoire, alors que c'est pas ça. Et j'ai trouvé ça à 20€, j'étais super content. Et ça fait partie de l'une des consoles que j'ai trouvé dans une brocante. Après, j'ai trouvé la Xbox. Dans une brocante, pareil, au même 20€ pour la console, une manette et un jeu, je crois. J'ai trouvé aussi la NES, même si bon, la NES, je sais pas si elle marche correctement, puisque à la base, le vendeur, il me l'avait vendu sans le câble Péritel. 20€ toujours, décidément, j'achète tous les consoles à 20€. Et du coup, bah, le câble Péritel, j'ai dû le commander par internet. Sauf que quand je le branche, la console s'allume. Mais le problème, c'est que l'image, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'image sur l'écran. Donc je sais pas si ça vient du Péritel, je sais pas si ça vient de la console, ou je sais pas si ça vient de mon écran, parce que je sais que pour jouer aux jeux NES, faut une télé cathodique assez ancienne, mais ouais, je sais pas trop. Surtout que ma télé, c'est une écran cathodique, mais est-ce qu'elle est assez ancienne, je sais pas. Pourtant, elle date de début années 2000, donc fin des années 90. Alors je pense que ça devrait être quand même assez ancien. Mais je sais pas d'où vient le problème. Et j'espère qu'un jour je pourrai résoudre ce petit détail et que je pourrai jouer aux jeux NES. Ensuite, d'autres consoles que je vais trouver dans une brocante. Alors la Super NES, non. La GameCube, non. La Wii, non. La PlayStation 2, non. La Mega Drive, non. Des consoles portables, oui. Par exemple, la toute première Game Boy, j'ai trouvé sur une brocante. D'ailleurs, le gars était sympa puisque j'avais acheté plusieurs jeux et il me l'avait offert. Et d'autres consoles portables, non. Bah voilà, donc la première Game Boy, la Super Nintendo, la Xbox et la NES, voilà. Donc voilà, c'était tes 5 questions. Donc merci à toi, Mister Mario 15100. Question très intéressante, je trouve, pour ma part. Merci beaucoup. Alors, suivant, question de Digital 55. Ah, là on va s'attaquer à la plupart des membres TSF, ça va être intéressant aussi. Alors, question 1, vas-tu refaire le concours Super Smash Bros. Brawl? Ah oui, parce qu'à une époque, j'avais fait le concours Super Smash Bros. Brawl, sauf que je l'avais annulé parce qu'il y a eu un peu de grabuge, donc un bazar pas possible sur mes vidéos à cause d'un groupe, mais je n'en dirai pas plus. Et du coup, à la fin, je savais plus qui était inscrit, qui était pas. Il fallait organiser à quel moment je vais le faire. Après, ma connexion Wi-Fi a été marchait plus, donc là aujourd'hui je l'ai rétabli, mais à une époque ça marchait plus. Donc tout ça mélangé, je disais non, il y a trop de bazar, c'est bon, j'arrête le concours Super Smash Bros. Brawl. Parce que ça me dégoûtait un peu, je me disais, j'essaie de préparer un truc, j'essaie de vous organiser quelque chose pour fêter un événement, et c'est comme ça qu'on me remercie. Enfin voilà. Mais pour répondre à la question, oui, peut-être que j'en referai un, mais pas avant un petit moment. Il y a peut-être en fin d'année, ou en 2014. Mais c'est pas pour tout de suite, parce que franchement, c'est long à organiser, c'est compliqué. Wallou. Et question numéro 2, quand est-ce que tu as senti de l'évolution dans tes vidéos? J'ai senti de l'évolution quand j'ai eu le Dazzle, par exemple. Quand j'ai eu le Dazzle, mais surtout quand j'ai eu le Dictaphone, j'ai senti un peu de l'évolution, parce que bon, le Dazzle, j'ai eu du mal à l'utiliser au début, avec des qualités un peu médiocres, et convertir à vidéo n'était pas si simple. Et puis surtout, le microphone qui me permet de... le dictaphone qui me permet de capturer ma voix à distance. Ça, c'est vraiment pratique. Et surtout, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise à faire du montage, parce que depuis que j'avais pris la résolution de mettre quelques petits effets par-ci par-là pour donner un peu de vie à la vidéo et qu'il n'y ait pas de moi qui parle, ça donne un petit peu son charme. Donc, ouais, à partir du moment où je commençais à faire le montage précisément, voilà. Je dirais, donc ça doit dater d'il y a à peu près plus d'un an, voilà. Donc il y a un peu plus d'un an, quand j'ai commencé à préparer un peu plus mes vidéos, voilà le moment où j'ai senti un peu de l'évolution. Donc c'était tes deux questions, Digital, merci beaucoup. Et maintenant on va passer aux questions de Hansberry, un autre TSF, hein, mon fameux frère, alors qu'on est né de deux parents différents. Et c'est parti. Alors, question 1. Y avait-il un idole qui t'a donné des inspirations? Eh bien oui, parce que quand j'ai commencé mes vidéos, c'est surtout grâce à Hooper. C'est grâce à lui qui m'a un peu donné envie de donner des vidéos. Je me suis surtout inspiré de lui. Et c'est pour ça qu'au début de mes vidéos, on disait, hey, tu ressembles un peu à Hooper. Donc j'essayais de plus en plus
moins limité et trouver ma personnalité moi-même, et maintenant je l'ai réussi, et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est surtout, je vois beaucoup de choses grâce à lui pour avoir commencé mes vidéos. Alors, question numéro 2. As-tu déjà pensé à faire des lives? Ah oui, c'est-à-dire des livres, des lives. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des lives? Bof, parce que ça m'intéresse pas trop, parce que l'utilisation de Twitch TV, de faire des lives, des vidéos en direct, ça m'intéresse pas, et puis surtout que je sais pas comment on fait. Non, ça me donne pas envie, j'ai pas envie de faire de live pour l'instant. Peut-être un jour, mais là, pour le moment, ça me donne pas envie. Les vidéos en direct, j'aime pas trop ça. Alors, question numéro 3. Quelles ont été tes impressions sur tes premières vidéos? Oh, bah là, je peux vous dire, avec la qualité caméra et ma voix qui était encore aiguë, parce que vous avez vu, hein, j'ai beaucoup mué, j'ai eu une mutation de voix, comme je le dis. Parce que maintenant, sur les commentaires, je retrouve beaucoup de commentaires qui disent « Waouh, j'ai regardé une de tes anciennes vidéos et celle d'aujourd'hui, t'as beaucoup changé au niveau de la voix, t'as mué. » Eh bien oui, hein, j'ai mué, ça fait quand même un peu bizarre. Et donc mes impressions sur mes premières vidéos, on était moyennement fiers parce que bon, la qualité laissait un peu à désirer et j'avais encore un peu de mal à m'exprimer. Et surtout maintenant, si je dois prendre, en prenant du recul, je trouve ça vraiment, vraiment pas terrible. Mais la plupart du temps, j'ai des commentaires positifs, donc c'est bien. Et voilà, ça, je les garde quand même parce que moi, ça marque quand même le début de mes vidéos. Et puis c'est toujours marrant, j'aime toujours la réaction de « Waouh, ta voix a changé ». Ça fait, je dirais pas plaisir, mais c'est assez agréable comme remarque. C'est marrant. Enfin, Wally Walou. Alors, question numéro 4. As-tu déjà eu peur de faire un bide? J'ai eu peur de faire un bide dans mes vidéos. La peur, non, mais si je dois répondre, est-ce que j'ai déjà fait un bide? Bof, parce que bon, on va dire le let's play Banjo Kazooie marche assez moyennement. Mes premières vidéos, je vais vous le dire, j'étais moyennement fier. Mais avoir peur de faire un bide, non. Parce que quand je fais une vidéo, je le fais pas pour que elle marche ou pour qu'elle pas qu'elle marche. Pour que. Enfin, je fais pas ça pour que ça marche ou que ça ne marche pas, hein. Je fais ça parce que ça me plaît, tout simplement. Et si j'ai déjà fait un bide, ouais, on pourrait dire plus ou moins, je dirais sur mes premières vidéos. Et bon, le let's play, parce que bon, bah, apparemment, Banjo Kazooie, ça intéresse pas forcément tout le monde. Faut croire que la Nintendo 64, qui est une époque qui plaît apparemment à pas beaucoup de monde, bah forcément, ça a un impact sur la vidéo en elle-même. Enfin, voilà. Et dernière question, que penses-tu de l'évolution du jeu vidéo actuel? Eh bien mon cher Andberry, je trouve que l'évolution du jeu vidéo actuel, ça se dégrade. Parce que maintenant, la Wii U pour l'instant, voilà, ça a été un échec au début, mais ça va se rattraper, je pense, et j'espère. Et mais après, quand je vois maintenant tout ce qu'il y a sur Xbox 360 et PS3 et tout ce qu'ils ont annoncé à l'E3. D'ailleurs, l'E3, je l'ai pas suivi pour les conférences de Microsoft et Sony et les autres. De société de développement, mais si c'était pour regarder le 3 et qu'on entende ouais, va y avoir Call of Duty Ghost, va y avoir Battlefield 4, va y avoir le nouveau FIFA 2014, va y avoir ouais, si c'est pour entendre ça, non merci. Et puis franchement, maintenant tous les jeux, tout va se dégrader. Maintenant, tous les jeux ils se font pas en multijoueur, alors que moi, le mode multijoueur ne m'intéresse pas puisque. Je suis côté Nintendo et Nintendo a le multijoueur en ligne très mal développé. Et puis en plus, chez moi, si c'est pour jouer en multijoueur en local, c'est non, parce que dans ma famille ou dans mon entourage, il y a très peu de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Donc le mode multijoueur, c'est inutile, je veux un mode solo, c'est ça qui m'intéresse principalement. Et quand je vois la réalisation des jeux en mode solo aujourd'hui, c'est ridicule sur Nintendo 64 et ou même sur une Super Nintendo. On faisait beaucoup mieux avant, il y a des jeux qui sont beaucoup plus longs sur des vieilles consoles, alors qu'aujourd'hui on fait même pas 10 heures pour un jeu. Un jeu en solo qu'on finit en 10 heures, 15 heures, et on nous fait payer ça 70 euros. Parce que maintenant les jeux sont beaucoup plus chers. Et ils deviennent de plus en plus chers. Donc j'ai envie de dire, ouais, c'est normal. C'est normal que ce soit comme ça. Et puis en plus, ce qui se dégrade encore plus, c'est que
Maintenant, les jeux vont être la plupart du temps dématérialisés et on va plus avoir de jeux en boîte. Alors que la force, c'est d'avoir un jeu en boîte, d'avoir une belle jaquette, d'avoir une notice. Ah oui, tiens, parlons-en des notices. Maintenant, c'est quoi ces manies de faire des notices qui font que deux pages, qui te racontent à peine le jeu et qui te prévient des trucs sécurité qui servent à rien. Alors que, pareil, à l'époque, on faisait des super notices, il y avait de super images, on t'expliquait très bien le jeu, et c'était très clair si tu étais bloqué ou pour savoir une commande. Hein, d'ailleurs, SF, Cinefac, un testeur que j'apprécie beaucoup, en a parlé. Par exemple, on a un journal qui coûte que 1,20€ et qui est publié une fois par semaine, qui est hebdomadaire. Et bien là, on a quand même plus de contenu sur un truc qui coûte pas cher, parce que franchement, 1,20€, c'est rien. Alors que là, on a une notice qui fait que deux pages, qui nous dit rien, et on ose augmenter les prix. Pff, c'est pas normal. Je trouve pas ça normal, en tout cas. Et voilà, ça me dégoûte, le jeu vidéo actuel. C'est pour ça que maintenant, la période Wii U, faut vraiment qu'il y ait des bons jeux qui sortent maintenant pour que je l'achète, parce que là, pour l'instant, m'intéresse moyennement, mais surtout, je me mets à l'ancienne, aux jeux rétro, parce que franchement, les jeux actuels, c'est... Ça me dégoûte et bon, je suis désolé de dire ça parce que je sais que il y a beaucoup de gens, bon, non pas qui jouent à Call of Duty ou à Battlefield, mais qui aiment ce genre de jeu. Par exemple, si je dois citer des jeux qui actuellement The Last of Us, Resident Evil 6, Assassin's Creed, Far Cry. Bon, je m'y connais très mal, mais voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Bah, s'il y a des personnes qui aiment bien ce genre de jeu, et apparemment ça a l'air pas trop mal, bah je m'en excuse, mais moi franchement, mon avis personnel, j'ai un fort dégoût pour ce qui va se passer plus tard, voilà. Donc c'était tes questions, Berry, je te remercie. Et maintenant, question de Sega Sensei. Je t'ai fait un petit coucou tout à l'heure, bah je vais avoir un grand plaisir à répondre à tes questions. Alors, question numéro 1. As-tu déjà influencé du monde? Alors, à cette question, oui. Parce que je me souviens qu'il y a une vidéo découverte, c'était celle de Rayman Origin. J'avais fait une vidéo découverte et j'ai influencé du monde dans le sens où j'ai donné envie à une personne d'acheter le jeu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, c'était la seule fois. Mais après, si j'ai influencé des personnes dans mes vidéos, non. Il n'y a que dans Rayman Origin avec le moment où j'ai donné envie d'acheter le jeu à une personne, c'est tout ce qu'il y a, mais c'est déjà pas mal, hein. D'ailleurs à l'avenir j'espère que je pourrai influencer d'autres mondes, pourquoi pas. Et alors, question numéro 2, quelles sont tes expériences avec les TSF? Donc TSF, il parle des testeurs sans frontières, parce que Sega Sensei, comme tu es un testeur sans frontières, je peux te dire mes expériences. Bon, c'est vrai que j'ai, malgré que je me connecte très peu sur Skype, j'aurais aimé en faire un peu plus de vidéos en duo. Parce que, bon, à part avec Excalibur 1982 et toi justement, Sega, bah j'ai fait très peu de vidéos en duo avec les autres TSF, ça c'est un peu dommage, mais j'aimerais en faire plus. D'ailleurs, si j'espère que vous m'écoutez, même si vous m'écoutez pas, je vous le dis quand même. Mes chers testeurs sans frontières, quand je suis sur Skype, je me connecte très rarement, ce serait avec un grand plaisir de faire une vidéo en duo sur n'importe quel jeu. D'ailleurs justement, les jeux actuels, ça me dérangerait pas, justement, ça me ferait les faire découvrir, donc c'est une bonne nouvelle. Mais sur n'importe quel jeu, ce serait bien, ça ferait non seulement d'une des vidéos, parce que vous voyez, ma fréquence a beaucoup diminué, mais en plus, ça donne un côté chaleureux, ça donne un côté agréable de faire des vidéos à plusieurs. On rigole bien, on passe un bon petit moment sur Skype, et voilà, voilou. Alors que, non. Et je fais pas énormément de vidéos en duo avec vous, mais c'est pas grave, hein. Peut-être qu'à l'avenir ça se fera de plus. Mais sinon, expérience avec les testeurs sans frontières, bah à part les vidéos en duo que je viens de dire, bah ça, dans l'équipe ça se passe plutôt bien. À un moment j'ai eu un petit dégoût, mais même s'il y a quelques personnes qui sont un peu inactives et que voilà, ça m'a dégoûté, bah tout se passe bien, c'est un bon groupe. Et elle va évoluer, il va y avoir du recrutement, il va y avoir de nouveaux testeurs sans frontières. Et il y a de l'avenir pour les TSF, ça je vous le dis. Donc Wally Walou. Alors question numéro 3. Que ressens-tu lorsque tu fais une vidéo? Eh bien quand je fais une vidéo, bah j'y prends plaisir tout simplement.
Parce que bon, évidemment, j'essaye de chercher un peu, enfin de perfectionner un peu les vidéos. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai mis des effets pour donner un petit peu son charme. Mais surtout, des fois, j'essaie de faire un peu attention à ce que je dis parce que c'est pas évident et des fois, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc c'est un peu étonnant, mais voilà. Et bah, j'y prends plaisir surtout. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire pour cette question. Alors, question numéro 4. Quel est ton film préféré? Ah, c'est le genre de question où faut pas trop me les poser parce que j'ai une culture niveau film et littéraire qui est quasiment le néant. C'est pareil pour les musiques, à part les OST, les musiques de jeux vidéo. C'est zéro, j'y connais très peu. Mais mon film préféré, je dirais Le Seigneur des Anneaux, peut-être. Même si ça a été adapté en livre, c'est un film bon, qui est très long, qui est sur 3 films, mais ça va, j'avais bien aimé. Alors, question numéro 5. Si tu étais devant une invasion de zombies, quelle arme choisirais-tu? Alors moi, dans les FPS, je suis vraiment un pro du sniper. J'adore le sniper et tirer à distance et faire surprendre les ennemis en faisant des headshots. Ça, ce que j'aime le plus, mais si, face à une armée de zombies, c'est pas très efficace. Moi, ma seconde arme préférée, ce serait le shotgun, le fusil à pompe. Ça, j'adore. Ça a une puissance de feu très très puissante, et puis on éclate tout avec ça. Et après, comme autre arme, le petit pistolet de base pour se la jouer silencieux et comme Solid Snake, ça j'aime bien. Mais après, bon, le genre mitraillette où on bourrine à tort et à travers, ça j'aime un peu moins. Mais surtout, le fusil à pompe, ça j'aime beaucoup. Pour ça, qu'on va dire, bon. Doom, c'est pas vraiment mon FPS préféré, c'est pas un FPS que je trouvais excellent, mais rien que l'arme principale qui est un fusil à pompe, ça me plaît beaucoup. Enfin voilà. Et dernière question. Alors, que regardais-tu à la télé quand tu étais petit? À la télé quand j'étais petit, c'est une drôle de question ça. Je regardais beaucoup de dessins animés, c'était surtout ça. D'ailleurs, il y avait une chaîne où qui m'a fait découvrir beaucoup de héros de jeux vidéo. Notamment, je regardais beaucoup Pokémon. Il y avait une chaîne, je me souviens, c'était Jetix, je crois. Il y avait Sonic, le dessin animé Sonic X qui était super bien. Il y avait le dessin animé Megaman. Oui, il y avait un dessin animé basé sur Megaman X. Et c'était super bien, j'adorais ça. Après, des dessins animés Mario, bon, maintenant avec du recul, je trouve ça un peu bof, mais voilà, j'aimais bien aussi quand on était tout petit. Après, si c'était autre chose, bon, tout ce qui me vient à l'esprit. Mais faut dire qu'il y a beaucoup de dessins animés basés sur les jeux vidéo que je regardais étant tout petit. Ça, c'était assez étonnant. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que ça me plaît autant aujourd'hui, je pense. Puisque mon premier héros que j'affectionnais particulièrement, c'était Sonic. Parce que bon, quand j'ai eu la GameCube, j'avais Mario Kart, mais Mario, bon, j'aimais bien, mais c'était pas un héros qui j'attachais particulièrement, alors qu'aujourd'hui, si. Et quand j'étais plus petit, j'ai commencé avec Sonic Adventure, et j'adorais Sonic. J'adorais tout son univers, tous les jeux, tout ce qui sortait. Alors que bon, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup moins. Donc c'est pareil, hein, c'est un paradoxe. Hein. Sonic d'avant, j'aimais beaucoup, maintenant, c'est plus le cas. Mario d'avant, j'aimais un petit peu, et maintenant, j'aime beaucoup. Enfin, Mario, bon, même si bon, pareil, d'ailleurs, il y a une question, je crois, sur ça, j'en parlerai tout à l'heure, j'ai peur un peu pour son avenir. Et donc, Wally Wallo. Donc, c'était tes questions, Sega. Merci beaucoup, hein, Sega Sensei. Et maintenant, on passe aux questions du joueur explosé. Alors là, il n'y a qu'une question, mais bon, ça va être rapide. Quelle est ta vidéo dont tu es le plus fier? La vidéo dont je suis le plus fier. Alors, je pense qu'il y en a plein, je sais de quoi. Ce que vous allez répondre, vous allez dire « Oh, ta vidéo où tu es le plus fier, c'est la vidéo où tu as joué avec Cooper sur Mario Kart, oui. » Non, au contraire. Même si ça m'a rapporté 50 000 vues et beaucoup d'abonnés, d'accord, mais non. Parce que Mario Kart, oui, maintenant, il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs de jeunes personnes qui m'ont demandé « Eh, tu veux qu'on soit en code ami, on soit amis sur Mario Kart, oui, on se fait une partie, nanana, stop !» Oh, j'en ai eu marre, et puis surtout, je pense qu'il y a une partie des abonnés qui sont un peu des traîtres, parce qu'ils jouent tous à Mario Kart Wii, et voilà, j'ai l'impression qu'ils s'abonnent juste parce qu'ils veulent que je joue avec eux sur Mario Kart Wii, et ça me dégoûte un peu.
Surtout que j'ai bien dit 10 000 fois, et d'ailleurs je vais le dire dans toutes les vidéos, je n'aime plus Mario Kart Wii, je joue à Mario Kart 7 si vous voulez sur 3DS, d'accord, mais pas autre chose, ok. Mario Kart Wii, laissez tomber. Et donc, bah, pour répondre à la question, une vidéo dont je suis plus fier, je dirais peut-être... si, le podcast avec Robin Libre 1 et Juju Brother sur sur Zelda Majora's Mask, c'était vraiment excellent, j'y ai passé un très bon moment. Le montage, ça a été un truc de folie parce que j'ai dû passer, je crois, plus de 40 heures à faire le montage. Et j'ai dû me dépêcher pour faire ça le 21 décembre. Et excusez-moi. Franchement, ouais, le podcast, c'est vraiment un très bon souvenir. Et j'espère qu'on pourra recommencer avec d'autres personnes, que ce soit vous qui m'invitiez ou alors que ce soit moi qui organise ça. Ça ne poserait pas problème, mais bon. Ouais, la vidéo dont je suis le plus fier ou dont je suis le plus content, c'est... le podcast Zelda Majora's Mask. Wally Walou. Alors, ensuite, question. Alors, tiens, voilà. Je vais vous citer un peu quelques questions de. Que je considère un peu stupides et inintéressantes. Mais j'y réponds quand même. Hein. Question de Mister GamesPod 235. Question 1. Aimes-tu les aubergines? Alors, j'ai bien dit qu'on pourrait poser des questions sur tout et n'importe quoi. Mais là. Trois petits points, je vais répondre non, et ça mérite pas un développement plus détaillé. 2. Quels sont tes styles musicaux? Bon, une question un peu plus intéressante, mais j'aime un peu de tout, hein, ça me dérange pas. Vous pouvez me faire écouter ce que vous voulez, moi je suis ouvert à tout, mais ce sera surtout musique de jeux vidéo, OST, ça, la plupart du temps quand je vais sur YouTube, je vais écouter des musiques de jeux vidéo, c'est surtout ça. Mais après, si je dois vous citer des groupes ou des artistes, niveau musique, je suis incapable de vous dire, ça c'est... Faut pas compter sur moi. Et après, 3, alors là, pareil, question un peu gênante, j'ai l'impression. Quel est le manga le plus H-E-N-T-A-I que tu n'aies jamais regardé? Pareil. Si j'avais le choix, je répondrais pas à cette question, mais... Il y aurait peut-être Rosario Vampire, et encore... tiens, c'est là, je vois bien. Alors, un petit délire avec Robin Libre One, il va me dire eh, mais Yoshi, tu commences à t'intéresser à ce genre de truc, il va me dire. Mais voilà, et encore. Bon, j'ai envie de dire, c'est ce genre de questions bon, que j'aime pas trop, que je trouve un peu inintéressante et c'est un peu dommage. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'y réponds quand même, c'était l'importance. Alors, suivant, alors je crois qu'il nous reste une dizaine de questions. On a bientôt fini. Alors, question de Usapiste du 66, alias Jordanix Bahamut. Ah, encore un cher TSF. Question numéro 1. Si tu étais dans une île déserte avec au choix une console, avec au choix une de tes consoles, laquelle choisirais-tu? La console GameCube, parce que c'est ma préférée. J'ai déjà assez développé tout à l'heure. Question numéro 2. Même question, mais légèrement différente. Si tu étais sur une île déserte avec une femme d'un manga ou d'un jeu vidéo, laquelle choisirais-tu? Alors là, je vous dis pareil, manga, j'en lis très 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 peu. Et si je dois répondre à une question qui est genre, qui est ton manga préféré, bah, je pourrais pas trop y répondre. Peut-être le classique, un Dragon Ball Z, mais bon. Si je devais choisir une fille sur une île déserte. bizarre comme question, peut-être... tiens, je vais reprendre un peu la série Phoenix Wright. Peut-être Maya Faye. Parce que cette chère assistante, elle est marrante, elle est gentille. Elle est très attachante dans le jeu, mais après, si je dois trouver d'autres exemples, je sais pas, moi par exemple, j'avais pensé au Final Fantasy, peut-être Aerys ou Tifa, ou peut-être Rosa de Final Fantasy 4. Bon, j'ai joué qu'à FF4 et FF7 pour l'instant, donc c'est ce que je peux citer. Après, Meryl ou Eva de Metal Gear Solid, peut-être. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mais moi, ouais, je dirais peut-être Maya Faye, voilà. Question numéro 3. Serais-tu capable de faire un speedrun sur un jeu que tu aimes bien ou que tu adores? Bien, ça dépend. Parce que des speedruns, dit comme ça, non, mais si c'est un jeu auquel j'ai joué, que j'ai rejoué, j'ai rejoué et que je connais par cœur, pourquoi pas? Mais après, speedrun, bon, c'est pas non plus du tout assisted speedrun parce que moi, je sais pas comment ça marche et je serais pas capable d'en faire. Mais si c'était un speedrun pour. On finit le jeu le plus rapidement possible et on essaie de battre non pas forcément un record mondial mais juste un record personnel. Pourquoi pas, par exemple, si on propose un jour de faire un speedrun de Rayman 2 ou de Rayman 3,
Ah, je veux bien essayer, mais bon, ça sera assez compliqué. Enfin, Wally Walou. Et 4, qui est, tiens, c'était aussi, quel est ton manga préféré? Bah, je te l'ai dit, Dragon Ball Z. Et Wally Walou, merci à toi, Jordan X Bahamut, de m'avoir posé ces questions. Alors, question de Neko Angel Bois, alias Angel. personne très sympa que j'ai rencontré sur Skype il n'y a pas si longtemps, et qui m'a posé énormément de questions. Alors, question numéro 1, d'où vient ton pseudo? Ah bah tiens, classique. Alors, d'où vient mon pseudo? Bah, Yoshiaki. Alors là, vous dites tous, ouais, c'est simple, on ne connaît pas beaucoup, mais t'as un avatar avec Yoshi et Mario. Yoshi, t'as dû prendre bah, justement de ton personnage Yoshi, et t'as rajouté Aki. Eh bien, j'ai envie de dire, objection! Voilà, Phoenix Wright ensemble, allez. Parce que, en fait, mon pseudo ne vient pas de là, ne vient pas de mon avatar ou de Yoshi. En fait, Yoshiaki, c'est tout simplement mon prénom japonais. Et c'est un vrai prénom, c'est mon deuxième prénom officiellement. Par exemple, si on le voulait, on pourrait m'appeler tous les jours Yoshiaki. Mais comme c'est seulement mon deuxième prénom, j'ai bien sûr un prénom français auquel j'utilise tous les jours, un peu partout en France. Mais par exemple, si je passe mes vacances au Japon, tout le monde m'appellera Yoshiaki. Donc voilà, je pense que pour ceux qui ne me connaissaient pas, vous devez pas vous y attendre, ça devait être une surprise. Parce que oui, moi j'ai la chance d'avoir une mère d'origine japonaise, et à peu près tous les 2 ans, je passe des vacances au Japon. D'ailleurs, normalement, cette année, je devrais y aller, et ce serait l'occasion d'avoir Phoenix Wright 5 par ailleurs, parce que bon, c'est un jeu que je compte quand même essayer d'avoir. Et donc, voici l'origine de mon pseudo, et d'ailleurs, je tiens à préciser que Yoshiaki n'est pas une traduction de mon prénom français, c'est juste un deuxième prénom complètement à part. Voilà. Et donc, question 2. Pourquoi avoir commencé YouTube? Tiens, un petit classique aussi. Bah parce que, au lieu de toujours être le gamer qui joue toujours aux jeux vidéo, bah j'aimerais étendre un peu plus cet avis, c'est-à-dire que maintenant j'aimerais bien partager mes avis, donner une critique sur un jeu que j'ai aimé ou que je n'ai pas aimé, et voilà, partager un avis sur ma passion préférée, les jeux vidéo. Voilà pourquoi j'ai commencé YouTube. Et question numéro 3. Alors, quelles sont tes plus belles rencontres? Alors, plus belles rencontres sur YouTube ou IRL? Parce que bon, IRL, ça va être simple, c'est le joueur du grenier que j'ai réussi à rencontrer IRL. D'ailleurs, si je retrouve la photo, je vous la mettrai là actuellement tout de suite. Et sinon, bon, bah, je mettrai autre chose. Donc, rencontre IRL, le joueur du grenier que j'ai rencontré en vrai, qui était dans le même avion que moi quand j'allais au Polymanga à Genève, donc ça c'est vraiment une chance unique qui se reproduira pas 2 fois. C'était vraiment absolument énorme. Ça m'a surpris parce que quand je l'ai vu, j'étais dans l'aéroport, j'allais à Genève, donc moi je m'installe et tout, et puis après avant d'embarquer je vois non je rêve, c'est joueur du grenier là, il est avec Seb, il joue aux jeux vidéo, il joue sur je sais plus sur quelle console il jouait, mais il joue à la Game Boy je crois. Et puis après un moment plus tard je vois une personne qui vient me demander « Eh monsieur, je pourrais vous prendre en photo avec moi ?» Et je me dis « Tiens, c'est le moment ou jamais, je vais faire pareil, je veux en garder un souvenir » et j'ai réussi. Enfin, ça a été étonnant et voilà ce que je pourrais appeler ma plus belle rencontre IRL. Après, ma plus belle rencontre sur YouTube, j'en ai pas vraiment. Si je dois citer, on va dire, ma plus belle rencontre sur YouTube, ce serait tout simplement la communauté et tous ceux qui me suivent. Parce que franchement, il n'y a pas de personne que je préfère plus sur YouTube ou quoi, ou que j'ai une meilleure rencontre ou quoi, ou quelqu'un qui a été plus important, ou quelque chose dans le genre. Moi, c'est tout simplement ceux que je connais, ceux qui partagent la même passion que moi, ceux qui me suivent, ceux qui commentent, ceux avec qui je passe un bon moment. Et voilà, tout simplement la communauté qui me suit sur YouTube. Ce sont mes plus belles rencontres. Et c'est toujours chaleureux, ça fait toujours plaisir. Wally Walou. Donc, question numéro 4. Quels sont les youtubeurs que tu suis le plus? Bah les youtubeurs, moi c'est tout simplement d'autres testeurs de jeux vidéo. Hein, alors la plupart du temps c'est des proches, hein, comme les testeurs Franc-Ontière, ceux qui m'ont posé des questions. Et après comme d'autres, on pourrait dire testeurs connus, grands testeurs, il y a Hooper, Joueur du Grenier, Usul, Edge, Cisefac, donc ESF, Mea. Il y a beaucoup de testeurs
je suis, que je trouve vraiment sympathique et ça fait toujours plaisir. Après, question numéro 5. Quel jeu tu ne testeras jamais? Quel jeu je ne testerai jamais? Bah, j'ai pas vraiment un critère pour dire ce jeu je ne testerai jamais parce que moi je veux bien les tester, même si c'est un jeu mauvais ou même si c'est un jeu auquel j'ai pas envie de traiter, hein, mais bon, bah, un peu bizarre comme question, mais si, bah, si on, un jour on me demande de faire un test et qu'on insiste vraiment et qu'il y a beaucoup de monde qui le demande, je veux bien le faire, mais j'ai pas un critère particulier qui va dire non, je veux pas tester ce jeu. Enfin voilà. Question numéro 6. Que penses-tu des nouveaux jeux Mario? Alors, comme je l'ai résumé rapidement, bah, j'ai un peu peur pour son avenir. Pourquoi? Parce que Mario, ces derniers temps, ça se recycle énormément. Il n'y a pas vraiment de vrai Mario 3D qui va sortir, j'ai l'impression. Parce que bon, quand on dit on va y avoir un nouveau Mario 3D, on dit bah, le prochain Mario qui a été annoncé à l'E3, qui a recyclé de Mario 3D Land, ça me dégoûte un peu. Alors qu'en fait, un vrai Mario 3D, pour moi, c'est comme Mario Galaxy, Mario 64, Mario Sunshine, etc. Là, on a plus l'impression d'un jeu casual, fait pour jouer en famille, en multijoueur, qui est très très facile et qui se finit rapidement. Et j'ai vraiment peur, parce que si Nintendo continue à se recycler, ils vont crever au bout d'un moment et un autre, et ça, je voudrais pas. Je voudrais pas, parce que moi, je m'en suis lassé des jeux Mario, et ça m'a énervé. Surtout, le New Super Mario Bros. 2 sur 3DS, qui a été vraiment une catastrophe, je trouve. Un jeu très facile, très court, où l'intérêt de continuer à jouer est sûrement pour les 1 million de pièces, et d'ailleurs je les ai pas fait, les 1 million de pièces, je n'en suis qu'à 100 000 alors que j'ai l'impression d'y avoir passé beaucoup d'heures. Et surtout que quand on a débloqué 100 000 pièces, il se passe quoi? Il se passe rien. Tout simplement un nouvel écran à la fin, et je trouve ça vraiment dommage. Donc désolé pour le spoil, mais c'est ça. Vous cassez pas la tête à finir le jeu à 100% avec les 100 000 pièces, ça sert à rien. Voilà, décevant. Le jeu était décevant, mais bien sûr, c'est un Mario, donc forcément, le gameplay est toujours le même, tout est toujours le même, avec toujours les mêmes pouvoirs. Donc forcément, bah c'est d'un côté amusant pour ceux qui connaissent pas, mais pour ceux qui ont déjà joué et qui connaissent déjà, ça devient un peu lassant et redondant. Et voilà, j'ai peur de l'avenir de Mario, et j'espère que Nintendo va faire un vrai Mario 3D qui ressemble un peu plus à du Mario Galaxy. En tout cas, c'est ce qui me plairait. Puis on va arriver à la fin de cette FAQ. Les dernières questions de la part de mon cher. Ah tiens, j'oubliais. Je sais pas si j'ai oublié ou quoi, mais ceux qui m'ont posé les questions, je vous remercie. Hein. Angel, je te remercie d'avoir posé ces questions. Et maintenant, on va passer aux questions de Meganico, un autre TSF. Et il reste deux questions. Alors, question numéro 1. Quel est le jeu que tu as le plus trouvé. Alors. Excusez-moi, j'arrive plus à lire parce qu'il commence à faire noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma 3DS et faire de la lumière. Parce que ici où je suis, il n'y a pas de lumière. Donc, ça va être un peu embêtant. Sinon, alors, quel est le jeu que tu as qui t'a le plus traumatisé? Ah, voilà. Le jeu qui m'a le plus traumatisé, bah, ça revient un peu au jeu qui m'a le plus frustré, hein, Resident Evil 3. Et le Nemesis qui me suit partout. Parce qu'après, il y a un jeu qui m'a vraiment fait peur, et j'en ai pas vraiment. Parce que là, je commence à m'intéresser un peu plus au jeu où il y a un scénario et où c'est un peu plus mature, mais les survival horror, très peu pour moi. J'oserais pas trop jouer à un Silent Hill ou Dead Space, par exemple, actuellement. Ça, c'est pas fait pour moi. Même si, bon, un jour, je le ferai sûrement, mais c'est pas pour tout de suite. Ouais, le jeu qui m'a le plus traumatisé, Resident Evil 3. Et dernière question de cette FAQ, quelle est la pire marque de jeux vidéo selon toi? Alors la pire marque, je suppose que tu parlais d'entreprise. Laisse-moi réfléchir, je dirais tout simplement Electronic Arts et Activision. Pour tout ce qu'ils font, qui sont franchement, ils se foutent de nous, hein, parce que quand on refait toujours quasiment le même jeu, avec le même moteur graphique, qu'on modifie seulement 2-3 choses, qu'on rajoute quelques fonctions en mode multijoueur, qu'on te propose des DLC à des prix aberrants et qu'on te vend ça tout, le contenu à 70€, alors que le jeu tu le finis en 10 heures, et que le multijoueur tu peux très bien trouver des free to play comme Team Fortress 2 qui sont gratuits et tu t'amuses beaucoup plus,
et qu'on te fait payer à 70€ à ce prix-là, là, c'est aberrant. Surtout en plus, les daubes qui nous ont sorti, qui sont venus de partout. Très peu pour moi. Mais alors là, franchement, voilà, c'est quand je disais que le jeu vidéo me dégoûte actuellement, bah c'est justement, voilà, je me dis Electronic Arts et EA. Enfin, voyez, voilà. Et donc, c'était la dernière question de cette FAQ. Alors, je les relis rapidement pour voir si j'en ai pas manqué. Alors, ces questions, je les ai faites parce que en fait, j'ai noté ça sur des feuilles, donc je regarde un peu si j'y ai tous répondu. Apparemment, oui. Et donc ça y est, Wally Wanou. Donc pour cette FAQ, c'était très sympa, j'espère que vous avez été satisfait de votre réponse. Et si c'est pas le cas, bah, je vous invite à reposer une nouvelle question pour dans les commentaires, et je vous ferai ça un peu plus détaillé, parce que j'ai l'impression des fois que je suis parti un peu de travers et que je parlais d'autre chose au lieu de répondre à la question. Donc voilà, donc n'hésitez pas moi, à me reposer la question en bas de la vidéo, en commentaire, ou alors à me demander que je détaille un peu plus. Ça, il n'y a pas de problème, je vous y répondrai avec un grand plaisir. Et du coup, bah, pour la prochaine FAQ, la FAQ deuxième série, on pourrait dire, bah, je pense que je ferai ça dans d'ici 6 mois ou dans un an, parce que ça remplace un peu les vidéos mises au point, et c'est tant mieux, parce que mon vidéo mise au point, j'en étais pas fier de moi. Tiens, d'ailleurs, ça répond un peu à une question de tout à l'heure. Ouais, vidéo mise au point, donc je n'étais pas très fier. Je racontais juste un peu ce qui se passe actuellement. Et les FAQ, c'est toujours plus sympa de répondre à des questions des personnes sur YouTube et de la communauté que de faire des vidéos mise au point où je vous raconte de tout et de rien, et surtout de rien. Et au final, bah, c'est pas très intéressant, pardon. Et surtout, bah, ça n'a pas un grand rapport avec les jeux vidéo, ça a juste un rapport avec YouTube et la fréquence de vidéos finalement. Mais donc, voyez, voilà, donc ma prochaine FAQ dans 6 mois ou un an, à voir. Et puis, vous me dites si ça vous a plu ou si vous voulez me poser d'autres questions. Voilà, voilà. Donc, très bien, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis maintenant, je vous dis tout simplement bye bye, à la prochaine, et puis surtout, amusez-vous bien !